Le troisième cardinal ivoirien, son éminence Jean-Pierre Coutouin, recevra ce samedi 22 février à la basilique Saint-Pierre de Rome les attributs liés à son nouveau ministère. En effet, il a été créé cardinal le 12 janvier dernier par le pape François au cours de l'Angélus. Une prière en trois versets en l'honneur de l'incarnation du Christ. Président de la commission épiscopale pour l'œcuménisme et l'apostolat biblique, le cardinal Jean-Pierre Coutouin est à Rome depuis une semaine. Une délégation conduite par la grande chancelière Henriette Dagry-Diabaté, représentant le gouvernement ivoirien, est aux côtés de son éminence le cardinal Jean-Pierre Coutouin. Pour rappel, ce sont 18 cardinaux qui ont été créés, dont 16 électeurs, au nombre desquels deux Africains, l'Ivoirien Jean-Pierre Coutouin et le Burkinabé Philippe Ouédraogo. Né le 22 décembre 1945 à Abidjan, le nouveau cardinal a été ordonné prêtre le 11 juillet 1971 par feu cardinal Bernard Iago.